tout le monde. Je me présente, je m'appelle Khadija Benzakour, je suis coach scolaire et donc j'applaudis l'initiative qu'a pris l'OCP pour pouvoir présenter aux parents et aux enfants des vidéos qui vont leur être utiles concernant tous les sujets qui nous préoccupent pour le moment pendant cette période de confinement. Donc voilà, je suis ravie, je suis contente de vous présenter la première vidéo. Et je pense que pour commencer, il faut d'abord rassurer nos enfants et rassurer les parents. En tant que parent, donc je me présente en tant que coach et aussi en tant que parent. C'est ma première expérience avec des enfants et je ne pense pas que ça pourrait être meilleur pour comprendre la situation où passent tous les parents aujourd'hui et tous les enfants. Donc voilà, je voudrais vous parler de comment rassurer nos enfants pendant cette période de confinement. On sait tous que ça fait aujourd'hui plus de 20 jours que tout le monde est bloqué dans sa maison, pour ne pas dire confiné, on n'a pas le droit de sortir. Et c'est pas facile pour tout le monde. Les parents sont angoissés parce qu'il y a l'école à la maison. Ils doivent aussi faire leur travail pour le télétravail. Les enfants s'ennuient aussi, donc ils ont besoin d'activités tout au long de la journée pour ne pas sentir le temps passer et pour ne pas s'ennuyer. Donc pour le moment, je vais vous présenter quelques petits conseils. Même si le coaching, c'est tout sauf le conseil. On a besoin de rassurer nos enfants tout en leur présentant, en leur donnant des outils et des méthodes pour qu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils trouvent des solutions eux-mêmes. Et c'est ça le but du coaching. Ce n'est pas de conseiller, ce n'est pas de donner des solutions en plateau, ce n'est pas de jouer le rôle du parent autoritaire, du parent des parents qui sont un peu comme les mamans poules ou bien les papas poules, mais il faut pousser nos enfants à trouver une certaine autonomie, une certaine dépendance et émotionnelle et en termes d'activité et de comportement. Alors la première chose qu'on peut faire pour rassurer nos enfants, c'est de les aider à rester en contact avec leurs professeurs, bien sûr, ils le sont, avec leurs camarades et avec leurs proches, leurs cousins, leurs camarades de classe. Ça leur permet d'être plus rassurés. Ça rassure les enfants. Ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation, que tout le monde passe par la même situation. Et croyez-moi, ça rassure les enfants. Deuxièmement, ce qu'on peut faire, c'est ne pas exposer les enfants aux mauvaises informations, aux informations dont ils n'en ont pas besoin. Ça ne fait que les choquer. Il y a des images choquantes. On parle de mort, on parle de blessés, on parle de maladies. Donc ça, ce sont des choses qui choquent les enfants. Même si on veut les partager avec eux des choses pour qu'ils comprennent, surtout pour les plus grands, mais croyez-moi, le cerveau, il ne fait pas la différence entre tout ce qui est réalité et tout ce qui n'est pas réel. Il ne faut pas exposer les enfants à un certain nombre d'informations qui ne sont pas utiles pour eux. Ça ne les rassure pas, ça peut les stresser, ça peut les angoisser, ils peuvent même faire des petits cauchemars pour les tout-petits et ce n'est pas une bonne chose. Moi, je conseille même les parents de ne pas trop exposer aux informations. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est pour les tout-petits, on peut parler du corona comme si c'était un méchant. Un méchant invité qui ne doit pas rentrer chez nous. Et donc on est tous unis, on va tous devenir des super-héros pour chasser cet invité de chez nous, pour ne pas le laisser rentrer chez nous. Comment on va faire? En devenant plus fort, en mangeant bien, mangeant des fruits et des légumes, en mangeant des choses qui vont être utiles pour notre santé, en jouant comme des fous, en se défoulant, en faisant du sport, en apprenant de nouvelles choses, en rendant plus fort notre cerveau, en jouant, en apprenant, en devenant plus fort. Et en devenant des super-héros, soyez sûrs que les enfants, ils aiment ça, surtout les tout-petits. Ils adorent qu'on rende les choses caricaturales. Ils captent mieux les informations. Alors, ce qu'on peut faire d'autre aussi, c'est de comprendre les ressentis des enfants. Prenez un petit moment, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, rassemblez-vous tous ensemble, famille,
une famille entière, les enfants et les adultes, et parle de vos ressentis, de ce que vous ressentez. Vous avez peur, vous avez mal, vous avez de l'angoisse, vous avez peur de ne pas réussir à l'école, vous avez peur de ne pas dépasser cette crise, vous avez peur de rester toujours à la maison. Donc parlez de vos ressentis. Le fait de parler de ces ressentis, de ce qu'on ressent, ça fait du bien aux adultes et aux enfants. Ce qu'on peut faire aussi pour rassurer les enfants, c'est de respecter le rythme. On sait que chaque enfant, il a son propre rythme. Même si les profs nous donnent beaucoup de cours à la maison, beaucoup de leçons à apprendre, mais respectez le rythme de votre enfant. Même s'il ne peut pas tout faire à la maison, laissez-le à son rythme. Il va y arriver doucement, il va apprendre en autonomie, comme on a dit. Il va apprendre de nouvelles méthodes, de nouveaux outils au fur et à mesure. Et ça va l'aider à se rassurer, ça va l'aider à dépasser ces difficultés. Donc respectez surtout le rythme de vos enfants, petits ou grands. C'est vrai que tous les parents aujourd'hui veulent jouer le rôle des profs, mais on n'est pas des profs. On est surtout des parents qui veulent protéger leurs enfants, qui veulent les aider à avancer de l'avant, à surtout garder une bonne santé mentale. C'est le plus important pour nous pour le moment. Nos enfants vont apprendre tôt ou tard, mais leur santé mentale, c'est primordial pour le moment, parce que ce n'est pas une période qui est facile pour tout le monde. Comment on peut aussi rassurer les enfants? Établir des programmes dans la journée. Ne laissez pas les enfants se réveiller en ne sachant pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parlez, soit vous faites des programmes la veille, soit vous faites des programmes en début de matinée autour de la table du petit déjeuner. Parlez de ce que ces enfants vont faire, de leurs objectifs prioritaires dans la journée. Ils vont étudier, ils vont jouer, ils vont faire du sport, mais ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils doivent savoir que les enfants n'acceptent pas d'être dans le flou et dans l'incompréhension. Ça les stresse, ça les angoisse. Donc pour les rassurer, pour les aider à vivre un bon confinement, mettez-leur des programmes, aidez-les à faire leurs programmes eux-mêmes. Pour les plus grands, ils sont capables de le faire, mais pour les plus petits, on peut les aider à le faire au fur et à mesure. Aussi, parlez avec vos enfants et rassurez-les en leur disant qu'ils doivent nous faire confiance. Les enfants doivent faire confiance aux adultes. Les adultes, on parle d'éducateurs, on parle de professeurs, on parle de scientifiques, on parle de tous les métiers de la santé. Ils sont en train de travailler pour trouver des solutions pour que le monde soit en bonne santé et pour surtout pouvoir dépasser cette crise, comme on a dit, qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc, faire confiance aux adultes, ça les rassure quand ils savent qu'ils sont en sécurité avec les adultes, qu'ils ne sont pas tout seuls, que tout le monde... qu'on a peur aussi, et bien la peur c'est contagieux, ça se transmet. Le stress c'est contagieux, ça se transmet. Donc le fait de montrer qu'ils nous font confiance, qu'on fait tout pour assurer leur bien-être, ça va les rassurer. Voilà, donc rassurer nos enfants, on peut les rassurer par beaucoup de choses. Déjà le fait de partager avec eux des activités dans la journée, faire des moments de blague, des moments d'amusement, jouer, faire du sport, faire du yoga, faire de la méditation, ça aide les enfants à passer une bonne journée. Il faut dire qu'aujourd'hui on est à 20 jours du confinement, mais ce n'est pas demain ou après-demain qu'on va sortir. On a encore beaucoup de temps qu'on va passer ensemble, donc que ce soit un bon moment qu'on va passer ensemble, un moment d'apprentissage, un moment d'amusement, un moment de joie, un moment d'apprendre, un moment de sérieux. Donc il faut tout faire pendant la journée pour que ça soit pas des journées routinières pour les enfants. Et la routine, ça stresse les enfants, ça les angoisse. Donc voilà, ça c'était une première vidéo. Je ne voudrais pas être plus long que ça. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont venir au fur et à mesure. Donc ça c'est juste pour vous dire que rassurez vos enfants, rassurez-vous vous-même. Éloignez-vous des mauvaises informations, éloignez-vous des informations qui sont choquantes pour tout le monde. Ça ne va que aggraver les choses, ça ne va que nous stresser encore plus. Donc voilà, on va y arriver. Restons unis, la main dans la main, et soyez sûrs qu'on va y arriver tous ensemble. Soyez rassurés et rassurez vos enfants, ils en ont surtout besoin.